Hello, fans of Tech Info. Bonjour, bonsoir. Je dis à nous, montrer comment pour nous configurer Internet sur téléphone. Qui j'en pour nous créer APN, ou bien en français, point d'accès. Ça, quand nous arrivons, vous achetez un SIM NAP, vous mettez sur téléphone, vous activez Internet là, ça veut dire que vous data, et puis, Internet là va jamais marcher. Mais suivez le tutoriel ça, pour après que j'en pour gérer ça facilement. Pour nous faire ça, si vous vous abonnez sur la chaîne là, celle Tech Info, maintenant vous pouvez faire ça pour nous, pour qu'à toujours joindre les vidéos automatiquement nous la guérir. Pour commencer, nous allons aller dans paramètres. Allons dans paramètres téléphone là. Pour qu'on ne paramètre la soit chercher, nous allons essayer de descendre pour ça. Nous allons aller dans réseau et internet. Nous allons aller dans réseau mobile. Nom des points d'accès. C'est le même qui APN en anglais, qui c'est access.net. En français, c'est nom des points d'accès. On va aller sur lui. C'est avec NATCOM. Ma fait tutoriel là. Et bien, on va créer un APN pour NATCOM. Pour commencer, allez dans trois petits points. Ajouter un APN, access.net, APN. Ou non. On va mettre non ouvré. On va mettre non pour. Ou bien, on va tout simplement choisir mettre et tout ou qu'on mette non pour même mettre c'est le tech. Ok, pendant APN Napunia ou NATCOM, mettez NATCOM.com.ht NATCOM.com.ht pour Digicel et tout créer APN automatiquement pour nous. Pendant NATCOM, même pour c'est vous-même qui configurez le manuellement. On continue tout ça, nous sauter vous. Vous allez mettre un lien là-dedans. OK. Vous allez dans le type d'authentification. Mettez PAP. Choisissez ça. Vous allez mettre un type APN. Type APN, c'est caractéristique pour le APN. Nous allons mettre admin. Ça, c'est APN administrateur. Virgule. Default. APN par défaut. IPLI, HIPLI, ok. On finit, on remplit tout ça pour un bio, trois petits points en l'air, et enregistrer. Et puis, on check-il, on active. Voilà, on va ouvrir internet. Et puis, on active dans le mobile là, automatiquement, internet m'a démonté. Web, internet m'a déjà monté. Nous avons gardé un Play Store mal téléchargé. Voilà, rapidement. Le résultat est monté. Ça, c'est pour NATCOM. Pour Digicel, là, on a toujours fait le même processus là. On va aller dans paramètres. Réseau internet, réseau mobile, nom de point d'accès. Nous allons créer un lot APN. Nous allons monter nos dire celle-là. Ajouter un APN. Non, comme maintenant on veut. APN là, pour Digicel, on va mettre web.digicelha.com. Après ça, on dit OK. Descend en bas. On va aller dans type d'authentification. Hein? Mettez le soupape. PAP, type d'APN. J'en ai dit non. Mettez défaut. Virgule. High privilege. High content la capi rapide. OK. On dit OK. Après ça, on enregistre. Automatiquement, nous mettons sur la page celle-là, elle a toujours monté. Parce qu'il suffit que vous créez un point d'accès et vous rejoignez Internet. Mais si vous avez besoin d'Internet, il est plus rapide. Ok?
ou appliquer bon paramètre avec lui. Ça pour écrire correctement dans paramètre. Et bien merci. Ça c'est tutoriel pour vous pour nous comment pour nous configurer APN ou bien point d'accès. C'est là nous activer données nous et puis nous internet là va jamais monter. C'est processus ça pour nous faire pour nous activer internet là pour nous faire fonctionner normalement. Bien merci. À la prochaine, abonnez s'il vous plaît pour encourager. Subscribe. Celtech Info.